Bonjour Alexis et bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà Alexis, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonjour Emmanuel. Voilà, et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant, bien sûr, par la santé. OK. Alors le premier point, ça concerne toute la sphère ORL, c'est-à-dire respiration, langue, mâchoire et dents. Alors en fait, depuis tout petit, je respire par la bouche et pas par le nez. Et en fait, j'ai l'air qui ne passe toujours pas par le nez malgré une opération que j'ai eue au niveau du nez. Et cette respiration buccale a eu comme répercussion un mauvais positionnement de ma langue qui a provoqué un manque de développement de mon palais et de ma mâchoire supérieure et qui a ensuite provoqué un manque de place au niveau de mes dents. Donc en fait, j'ai vraiment un problème au niveau ORL actuellement. Ouais. Ok. Bien. Ton autre point. Alors, je ne sais pas si ça concerne l'ORL, mais peut-être c'est un problème de vision floue, de perte d'acuité visuelle. Ça, je l'avais mis dans le même point, alors c'est peut-être deux points, effectivement. Après, j'ai une oppression thoracique, donc une sensation de cœur serré, crispé, lourd, tendu, étouffé, avec des contractions musculaires dans la zone du cœur. Donc, contraction musculaire. OK. Ensuite. Après, j'ai un trouble du sommeil, donc une anxiété à l'endormissement lorsque je me couche tôt et je me réveille tôt. Je m'endors vers. Donc, du coup, naturellement, je m'endors vers 2-3 heures lorsque je tombe de fatigue. Et après, depuis tout petit, j'ai des cernes permanentes que j'aimerais faire disparaître, mais qui sont peut-être liées ou pas, je ne sais pas, à mes problèmes de respiration. D'accord. Ensuite. Après, j'ai des impatiences au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des jambes. Et j'ai remarqué étrangement que je les avais uniquement lorsque je dormais avec quelqu'un. Donc quand je dors seul, je n'ai pas d'impatience, mais de temps en temps, quand j'en ai, c'est toujours quand je dors avec quelqu'un. D'accord. Après, j'ai un problème de digestion. Tout ce qui est ballonnement, estomac bloqué, inflammation intestinale et j'ai une intolérance au gluten. Donc, ballonnement, estomac bloqué, Oui, inflammation intestinale inflammation, voilà, inflammation intestinale. et intolérance au gluten. Et donc, intolérance au gluten. Que le gluten alors, hein? Oui. D'accord, ok. C'est intéressant ça. Okay. Autre point. Oui, alors c'est le vitiligo, donc la dépigmentation de la peau. J'ai cette tache en fait qui est apparue en 2021. Et après, juste après, j'en ai eu plusieurs qui sont apparues aux doigts et au pubis. Donc, pomme d'Adam, doigt et pubis. Et puis c'est lié à une période particulière où j'avais refusé la vacciculation et en gros, je me suis beaucoup exprimé dans cette position-là et la tache est apparue à ce moment-là. Ah bon? Ouais. Ok, bien. Autre point? Après, j'ai deux kystes. Alors, un qui est suite à un choc que j'ai reçu à l'oreille il y a 20 ans lors d'un concert. Quel C'est côté? côté droit. C'est une bosse qui, suite à ce choc, en fait, j'ai une bosse qui est apparue derrière l'oreille droite et que j'ai ça fait 20 ans qu'elle est là, cette bosse. Voilà. Et le deuxième, c'est un lipome au niveau de la taille et côté droit aussi, qui est apparu il y a environ 15 ans. Ok.
Voilà. Le dernier point santé, c'est justement, ça concerne la partie droite du corps. C'est que j'ai une sensation que cette partie est plus absente, plus flottante et plus fragile que la partie gauche. Et j'ai beaucoup plus de problèmes à droite du corps, tendinite, poignet cassé, kyste, lipome, tout est à droite. Bien, on verra ça. Voilà. Alors, tes 6 autres questions. Oui, alors, donc, la première question, c'est un blocage au niveau de l'argent. Avec l'argent, je dois fournir des efforts colossaux pour en gagner. Et l'abondance ne m'est pas du tout accessible. Ouais. D'accord. Okay. En deux, ça concerne la vie solitaire. J'ai un comportement plutôt sauvage. J'ai eu un comportement sauvage jusqu'à l'âge de 5 ans. Je ne parlais pas aux autres. Avec une peur des humains. Voilà. Ok. Peur des humains. Okay. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as encore une difficulté comme ça personnelle ? Bah, j'ai beaucoup travaillé dessus, notamment avec le théâtre et tout ça, mais disons que j'ai toujours une vie solitaire, en fait. Même si je ne me sens plus du tout sauvage comme avant, j'ai quand même une vie naturellement qui tend toujours vers une vie solitaire, alors que ça ne me va pas forcément. On va avoir une vie solitaire développée. Ouais. Donc dans ta vie de couple, ça cause, je suppose, des problèmes, non ? Non, ça ne cause pas de problème. Après, je me sens social, mais c'est vrai que je sens que c'est bloqué en fait. C'est quand même bloqué quelque part. Ouais. Ok, on verra ça. En 3. En 3, j'ai une peur de la chute. Alors en fait, j'ai une sensation, chaque sensation de chute, comme par exemple dans un avion ou dans un manège, ça génère en moi une panique et une peur de la mort. Et je dois préciser quand même que j'ai perdu, quand j'avais 20 ans, une sœur à la suite d'une chute. Donc voilà, mais j'ai cette sensation de chute, c'est quelque chose que je, même dans un manège, avec lequel j'ai beaucoup de mal, quoi. D'accord. Voilà. Après, le quatrième point, ça concerne aussi un trauma, mais par contre lié à une... Alors ça, autour de l'explosion. En fait, en 2001, il y a eu l'explosion de l'usine AZF. Et en fait, j'étais à 900 mètres de l'explosion et j'ai été projeté à 2 mètres. J'étais dans un bâtiment pourtant. Mais depuis, j'ai des fois des sensations de peur d'une nouvelle explosion dans certains silences. C'est assez étrange comme sensation, mais certains silences peuvent tout d'un coup me faire réveiller une légère petite angoisse, mais que je gère bien, mais que je ressens quand même, d'une peur d'une explosion qui peut arriver. Voilà. Et suite à cette explosion, j'ai perdu 3% de l'oreille droite, à droite aussi d'ailleurs, et je faisais des cauchemars sur les explosions pendant un an, à peu près. D'accord. Tu étais à 200 mètres, tu dis, À 900 mètres, oui. Mes parents, à 30 km, ils ont entendu l'explosion, donc c'était un truc. Bon, d'accord. Bien. En 5. En 5, alors j'ai fait la rencontre vers mes 25 ans d'un gitan, une personne, un gitan en fait, qui était très, très, très noir dans son énergie et en fait qui m'a fait des prédictions, qui était elle aussi très noire et auxquelles je n'ai pas cru. Mais j'ai gardé depuis, j'ai gardé la sensation de comme un sort jeté en fait. C'est assez étrange. Ces prédictions, j'y crois pas, mais par contre, ça me reste. C'est quelque chose qui me reste en fait. Et ça fait 25 ans. D'accord. Quel type de prédiction alors ? Pardon ? Quel type de prédiction il t'a fait alors ? Alors, il m'a prédit en fait que au niveau de l'amour, ça serait compliqué toute ma vie. Je rencontrerai juste le grand amour juste avant de mourir. Enfin, du coup. D'accord. Enfin, c'est quelque chose qui me. En fait, ça ne me parle pas parce que c'était clairement une personne malveillante. Mais ce qui est étrange, c'est la sensation qui me reste en fait. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Bien. Allez, ta sixième. Le sixième, c'est un phénomène.
paranormal. C'était dans l'Aude, que j'ai vécu dans l'Aude, dans les montagnes de Bugarache. En fait, j'étais dans une voiture aux côtés d'une personne chamane que je connaissais. Bon, et j'ai été poussé à un moment donné à ce qu'on s'arrête à un endroit qui avait une énergie très, très particulière, très étrange. Et en fait, en marchant dans la forêt, j'ai découvert deux pylônes de pierre. Et j'ai eu à ce moment-là la sensation d'avoir fait une erreur au moment où j'ai pris une photo de ces pylônes-là. Et d'ailleurs, j'ai pris plusieurs photos de ce lieu que j'ai gardé. Et puis le soir même, j'ai ressenti de la peur et des sensations très claires, des sensations fortes d'avoir, comme certains corps subtils, resté sur place. C'est-à-dire que je me sentais sur place sensoriellement. Et d'être aussi en face d'une présence blanchâtre, féminine et non bienveillante. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, ça. J'étais dans mon lit, mais je me sentais là-bas, en fait. Voilà. Et je sentais cette présence blanchâtre. Je sentais le sous-bois, j'entendais l'odeur de la brise dans la forêt. C'était vraiment étrange, quoi. Donc, tu te sentais là-bas en présence d'une présence féminine, là, c'est ça ? Oui, une présence blanchâtre, type féminine et non bienveillante. Comment tu sais qu'elle n'est pas bienveillante ? Alors, c'est une bonne question. En fait, je sais pas. En fait, je pourrais pas dire qu'elle était malveillante, mais je sentais que c'était pas forcément bienveillant. Alors, peut-être que c'était la peur qui me faisait ressentir ça. J'arriverai pas à dire qu'elle était bienveillante ou malveillante. Voilà. D'accord. En tout cas, tu n'avais pas une bonne sensation, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on ira voir ça. OK. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter ? Alors, donc dans les incarnés, il y a ma famille, mon arbre généalogique en entier et leurs animaux. Ta compagne déjà, non ? Oui, voilà, tout à fait. Alors, j'allais dire ma compagne qui a aussi fait la séance, une séance ici. Et tous ses proches. Donc, ta compagne et ta famille, on va dire. Voilà, tout à fait. Et après, mes amis, mes proches et connaissances. Alors, dans ta famille, tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux sœurs et un frère. Deux sœurs, un frère, donc avec leur famille respective. Oui. Tes parents sont encore là ? Oui. Les deux ? Oui. OK. Ensemble ? Oui. OK. Là, après, on dit famille en général ? Oui. Après, des amis de cœur ? Des amis de cœur, oui. Des bonnes connaissances aussi. Des... Amis de cœur, connaissances, relations ? Voilà, très bien. Ouais. Des animaux ? Oui, les animaux de ma famille. Ouais. Mais toi, tu as quoi comme animal ? Ah non, alors moi, je n'ai pas d'animaux, mais par contre, mes parents n'ont... D'accord, donc les animaux de tout le monde, alors. Okay. Voilà, c'est ça, oui. Pour les deux désincarnés, qui choisis-tu ? Alors, ma grande sœur qui était décédée en 2002, quand j'avais 20 ans. Et décédée de quoi ? Alors, d'une chute. Par rapport à toi. Oui, d'une chute. D'accord. Et deuxième personne ? Mon oncle maternel, qui lui est décédé en 2019. Oncle maternel. Super. Bon, on part pour ton aventure ? Allez, ça va. Je te laisse couper le son et nous y allons. OK. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence ? 310. Je te laisse augmenter. 31 700. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Alexis. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a comme une sorte de chose transparente qui est là posée sur lui. Ça ressemble à une méduse. C'est-à-dire que c'est transparent, c'est un peu gluant. Mais c'est transparent, légèrement trouble. Ça n'a pas vraiment de forme. C'est comme une sorte de gelée.
Mais ce n'est pas de la gelée en tant que telle, dans le sens où c'est bien une entité, mais multiforme. Cette chose-là, cette gelée-là, elle est posée sur lui, sur son visage, sur sa gorge et sur sa poitrine. Et avec des. Donc, on va dire que le corps de cette chose-là est posé à cet endroit-là. Et il y a comme des sortes de ramifications ou de filaments, on va dire de tentacules. Ce n'est pas une pieuvre. C'est vraiment plus comme une méduse. Ça vient s'enrouler, se déployer autour du reste du corps. Ça vient créer une sorte de poids énergétique dissonant sur sa partie physique et ça vient dissocier ses corps subtils les uns par rapport aux autres. Et ça vient créer des zones de vulnérabilité et d'ouverture. Ça vient créer des failles dans sa sphère d'énergie. Donc en conséquence, ça vient apporter de la vulnérabilité au niveau psychique, émotionnel et mental. Et même jusque sur le plan physique aussi. Puisque le mental du corps physique essaye de se débarrasser de cette chose-là. Ce qui lui prend de l'énergie. En conséquence, il n'y a pas de connexion tertielle stable et tranquille. Ça le maintient toujours dans un état d'être, on va dire, d'insécurité et d'anxiété. Et avec cette sensation d'être décalé aussi par rapport à sa réalité et décalé par rapport au monde des humains, puisqu'il y a toujours cette chose-là comme un écran entre lui et le reste du monde. Ok, quoi d'autre? Au niveau de sa glande pinéale, il y a une sorte de système GPS, ce qui permet à cette entité-là de rester, on va dire, collée à lui, d'incarnation en incarnation. Ça lui cause un problème, ce GPS, la pinéale. Et ça vient décaler ses rythmes biologiques. Hein. Et ça contribue à cette sensation d'être décalé par rapport à sa réalité et par rapport au monde des humains. Ok. Donc ces problèmes de sommeil viennent de là alors. Oui. D'accord. Tu vois autre chose? On directement sur lui, c'est tout. Ok. Alors, on va regarder depuis que tu vois que cette entité ou tu en vois d'autres? À part les opportunistes, hein? Il y a d'autres entités, mais qui sont des entités démoniaques opportunistes. D'accord. Donc, apparaît, il n'y a que celle-ci alors. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Elle est là depuis 9 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Elle s'est collée à lui lors d'une désincarnation. D'accord. Y a un consentement ou pas? Il y a le fait de se raccrocher à cette entité-là, oui. La désincarnation, c'est dans un milieu marin, c'est sous l'eau. Et cette entité-là s'est présentée alors qu'il était en train de couler vers les abysses. Elle s'est présentée au-dessus, donc il s'est raccroché à elle. Sa conscience, la partie physique, elle a continué à couler, ce qui a entraîné la désincarnation. D'accord, donc c'était un marin alors. Oui. Ok. Bien, et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. Oui. C'est elle qui choisit aussi ses lignées. Oui, par facilité d'interférence, par facilité de pouvoir rester collé, agrippé à lui. Et lorsqu'il s'est agrippé à elle, il l'a vu sous quelle forme? Une forme blanchâtre, hein, sans vraiment de forme déterminée, mais d'essence féminine. D'accord. Il croyait s'appuyer sur quoi alors?
C'est une présence féminine maternelle, comme si quelqu'un venait le chercher de l'autre côté pour l'aider à traverser les difficultés. D'accord. Il était sur une fréquence particulière lorsque pour être à la même fréquence. Oui, de peur et de terreur. Peur et terreur, d'accord. Qu'on retrouve aujourd'hui dans cette incarnation. En arrière-plan, oui. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Alexis prennent conscience et connaissance de cette situation et bien sûr de leurs conséquences. Oui. Ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 27. 27 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Il y a toujours une partie de lui qui est là présente et qui est en train d'observer sa partie physique incarnée en tant qu'humain, en train d'évoluer. C'est-à-dire que tout se passe en même temps, il n'y a pas un avant et un après. Quand tu me fais remonter avant, j'arrive à lui, mais qui est toujours là, présent, en projection de sa conscience. C'est un humain, pas un humain terrestre, puisque ce n'est pas sur Terre, mais c'est, on va dire, une sorte d'humain. Qui est plus, qui a plus de capacités physiques et plus de capacités, on va dire, spirituelles aussi, plus fort physiquement. Cet être-là étant, mais qui est lui, dans une autre manifestation de lui-même, est en méditation dans une pyramide translucide. D'accord, et nous sommes où là? C'est une sorte. C'est une planète cristal. Toutes les constructions sont faites de ce même cristal là, transparent ou semi-transparent. Même, c'est comme si le sol de cette planète là était composé de cette même matière là. À la fois dure et transparente. Quelle dimension? Cinquième dimension. Elle se situe où, cette planète? Elle n'est pas dans notre système solaire, mais pas dans notre univers non plus. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire que pendant qu'il est en méditation dans cette pyramide translucide, sa partie de lui, en ce moment, est manifestée sur Terre? Oui. C'est elle qui l'observe pendant qu'il s'y manifeste? C'est ça. C'est comme une sorte de projection de conscience. Il s'observe lui-même dans sa manifestation terrestre et on va dire dans ses tribulations terrestres. Bien. C'est une façon pour lui d'expérimenter autre chose, de son point de vue là, on va dire sans risque, par projection de conscience, mais sans avoir réalisé que cette projection de lui-même dans l'espace terrestre avait pris sa propre autonomie. Pouvait, on va dire, courir des risques. D'accord. Quel type de risque? D'être complètement détaché de lui-même qui est là dans cette pyramide et d'arriver à un fractionnement de sa conscience. Ah. Ok, donc ça veut dire que si cette partie de lui qui devient autonome se sépare de cette partie-là, il y a un fractionnement de sa conscience. C'est ça. D'accord.
Vous êtes déjà, même dans la partie physique incarnée ici, dans cette incarnation présente, il y a déjà cette peur en arrière-plan de fractionnement de conscience et tentative de retrouver des parties de conscience de lui-même, notamment dans ses activités, de théâtre. C'est comme courir après d'autres parties de lui-même, d'autres facettes de lui-même. Ok. Bien, bien, bien. Ok. Alors, donc, de quelle manière il s'y est pris donc, pour s'incarner sur Terre ? Il a projeté sa conscience ? Oui. C'est d'une manière quantique, je suppose ? Oui. Ok. Il est venu s'incarner directement sur Terre, il est passé par la fausse grille magnétique. Déjà, est-ce que c'était à cette époque ou pas ? Alors, c'est à cette époque dans le sens où la grille magnétique est déjà existante et il n'y a pas de passage de grille magnétique. Il y a eu déplacement quantique directement à l'intérieur de la structure de la matrice artificielle. C'est-à-dire sans en subir donc les altérations, alors ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... on va dire qu'il y a certains repérages et marquages qui n'ont pas eu lieu. Mais il s'est retrouvé comme enfermé à l'intérieur de la structure de la matrice artificielle et sans trouver la solution d'en sortir, du moins pour la partie de sa conscience qui est là projetée dans l'espace terrestre. D'accord. Donc, risque de fractionnement. Bien. Et ça, bien sûr, il ne l'avait pas prévu. Non. En se projetant dans l'espace terrestre, comment il a connu l'existence de l'espace terrestre en étant dans un autre univers ? Au cours de ses explorations. L'espace terrestre lui a semblé attirant, coloré, vivant, instructif, dense. Ok. Alors, pour la partie physique qui est incarnée là, est-ce que c'est un avantage pour lui de rester connecté à la partie méditative ou pas ? Ça représente un frein pour son évolution personnelle et spirituelle, mais sur tous les plans, pas simplement l'évolution spirituelle. Et en même temps, en le dissociant, il y a un risque de fractionnement. Oui. Bien. Ok. Alors, à présent, donc, il a eu donc 27 vies humaines. Ok. La première incarnation qu'il a vécue sur Terre, c'est sous forme d'humain, je suppose ? Oui. Et où est-ce qu'elle a eu lieu et sous quelle polarité ? Masculine, une sorte d'ermite dans des montagnes, du Tibet. En altitude. D'accord. Et les autres vies qui ont suivi, c'est toujours des vies comme ça de solitaire ? Pas dans le même type de vie. Après, c'est comme si la première incarnation est celle qui ressemblait le plus à la situation dans laquelle se trouve on va dire la conscience de départ, celle qui a projeté une partie d'elle-même. Et les autres incarnations sont ensuite, on va dire, descendues dans la plaine, de la foule des humains, mais toujours avec cette sorte de recul par rapport aux autres humains. D'accord. En observation, tout en se mêlant aux humains, mais sans jamais arriver... comme une sorte de distanciation toujours, sans jamais arriver à ressembler complètement aux autres humains. Ok. Sur cette planète-là où il est en méditation... C'est une vulnérabilité chez lui et c'est ce qui a créé la facilité d'interférence par cette entité méduse. D'accord. Donc cette partie de lui qui est en méditation dans cette pyramide... sur cette planète, il est tout seul ou il y a d'autres types de la même espèce, même race ? Non, il y en a d'autres comme lui.
mais sont chacun solitaires et procèdent au même type d'expérimentation. D'accord. De projection de conscience. Ok. Donc là, il venait directement du soi supérieur, c'est une expérience que le soi a voulu faire, ou il vient d'autres planètes? Non, c'est une expérience du soi supérieur. D'accord. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus de son soi supérieur, en tout cas pour cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, donc c'est une chose qu'il y en a encore. Vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse bien de lui, s'il est entièrement issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toute identité en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part cette méduse, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques opportunistes qui sont là présentes autour du fait de sa situation énergétique de vulnérabilité. Elles appuient sur quelle faille alors? Sur des failles d'anxiété, de tristesse émotionnelle, de mal-être, de sensation d'être décalé et incompris. Ok, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Tu vois des parasites? Oui. Entrer là au niveau du plexus solaire et qui se diffusent dans tout le système digestif. Ils ressemblent à quoi? Comme des sortes de vers translucides. Ok. Qu'est-ce qui lui cause qu'on prenne? Des problèmes de gestion de son énergie vitale et des problèmes d'ingestion de l'énergie absorbée par la nourriture. Ok, donc l'intolérance au gluten, c'est ça? C'est eux qui sont responsables? Oui. D'accord. Alors, donc il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Alexis se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Alexis à présent? Il y a un apaisement qui est là maintenant présent, une stabilité et une clarté intérieure. Bien. Alors maintenant, dis-moi, comment réagit cette méduse? Il y a une crispation, comme si elle changeait de densité, si elle devient opaque, crispée, dure, rigide et glacée pour tenter de l'enserrer et de l'écraser. Bien, donc on va la bloquer sur tous les plans, bien sûr, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu vas te positionner juste avant que cette entité réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, on ouvre un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. C'est fait. Voilà, maintenant, regarde la bulle énergétique d'Alexis, dis-moi s'il reste quelque chose.
Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirai comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Alors, dis-moi si cette méduse a un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elle était présente. Bien. Tu en comptes combien? 9. Et dans combien de dimensions pour chacune? 3. Ok. Tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, vérifie maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, plus maintenant. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de... Il n'y a rien de dissimulé, regarde, en cas où. Non, la seule façon qu'elle avait de le repérer, c'est avec le système GPS. Ok, qui bien sûr n'existe pas, n'existe plus. Non. Et il n'en reste rien quelque part. Non, il n'y a plus rien. Parfait. Bon. Et elle n'avait pas anticipé la séance. C'est comme si elle l'avait vu arriver de loin, mais sans pouvoir l'éviter. Elle n'en a pas la capacité, c'est ça? Non. C'est pas dans ses cordes. Bien, on va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur quel plan, pardon. Il est sur le plan moron ciel en observation. D'accord. Et son âme? Elle est plus basse en fréquence que la partie physique. Elle est comme terne et repliée sur elle-même. Et sa partie subliminale? Elle s'est décalée énergétiquement de la partie physique pour éviter le contact avec l'entité méduse. Bien. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mourantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et autonomie, et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement. Enfin, on y va directement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc la partie de lui qui réside sur le plan morentiel, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Alexis pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et autonomie et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Bien. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Alexis. Expérimenter tranquillement et cette expérience d'incarnation là en tant qu'humain et profiter de cet espace de liberté là pour observer, expérimenter. Et c'est ça, explorer de nouvelles potentialités de sa personnalité. Très bien. Donc là, à ce stade, est-ce que tu vois que maintenant, comme j'ai suggéré une autonomie, est-ce que tu vois qu'il s'est dissocié de cette partie de lui, de cette planète? Maintenant, oui. Ok. Est-ce que ça a créé un problème de dissociation ou pas? Pas du point de vue du soi supérieur. Par contre, au niveau de, on va dire, de la conscience émettrice, il y a comme une sorte de vide et de déséquilibre. Ok. Alors, donc on va intervenir sur cette conscience. Ok? Oui. Alors déjà, on va la connecter directement à sa propre source. Oui. Voilà, pour faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui maintenant? Une montée en fréquence, un rééquilibrage, un recentrage qui se met en place là maintenant. D'accord. Donc là maintenant, dissocié de cette partie de lui incarné sur Terre, comment se sent-il? Clair et équilibré. Il n'y a plus ce vide, ni ce déséquilibre. Parfait. Et donc si on revient sur Alexis, ici incarné,
Comment est-ce que tu le vois maintenant avec ce qu'on vient de faire? Ça l'a équilibré à l'intérieur de lui-même et stabilisé. Ok, et donc là, il est parfaitement autonome. Oui. Bien. Alors, quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a des sortes de filaments qui viennent se croiser et s'entrecroiser comme une sorte de maillage qui vient se retirer, qui vient se resserrer autour de la structure de la lignée. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Ça vient créer une sorte de tension intérieure, de mal-être, de difficulté de se positionner dans l'incarnation. Et ça vient créer des différences de fréquence et parfois des problématiques de communication entre les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Alexis? Une sensation de mal-être, d'équilibre et cette sensation d'être incompris. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 41. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a ces filaments-là qui viennent se resserrer autour de la structure de la lignée à la sortie des roues d'incarnation. Mais qui est derrière ça? Les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante. Vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant librement entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Alexis? Ça vient l'apaiser, le recentrer et l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. C'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prénise et concrétise. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 26% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. À présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça vient sécuriser, renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et cela, nous allons le faire en privé. Donc, j'arrête l'enregistrement. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été fait, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Non. Bien. Alors, il va remplacer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été retiré par sa propre essence.
Oui. Voilà, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Il s'apprête à venir au monde. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement. Il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Et je vais proposer à Alexis d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes, comme d'habitude, qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité dans les mêmes, donc pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'a pas. Alors il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. À présent, il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Alexis, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine, n'est pas, humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie. Et fait venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné » et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté?
C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contrôle des influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'époque et l'origine. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. Oui. Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Alexis de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure du possible, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue, blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas, ça vient le dégager, et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. Okay. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global,
et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Donc là, je pense, attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les dents? Je ne sais plus. Tout le... Je regarde si on refait le tableau ou pas. Digo, kyste. Bah non, je croyais. Bizarre, je dois confondre. Bien. Alors, système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. Si il y a un problème dentaire, je sais, c'est quand si son problème de respiration, tout ça là. Donc on va refaire le système dentaire. Mmh. Donc on élimine l'ancien. Donc dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc il le recrée à neuf avec le gabarit de la création dans sa version originelle. Tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant. Et bien sûr, en reconnectant tout ce qui doit être connecté. On peut y mettre des cellules souches, de l'eau primordiale et des énergies spécifiques pour chacune des zones concernées. Oui, c'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, je ne sais plus si j'ai dit, mais je le redis, le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient générer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules. Dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné. Il vient actionner le point de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Il vient aborder chacun des fascias et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui.
les corps associés aux chakras principaux. Combien comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder maintenant à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les systèmes de vieillissement au sein de son ADN, des cellules et de sa biologie. Les programmes de vieillissement. Donc, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de régénération et de rajeunissement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout, 1, 2, 3, on élimine. Oui. Voilà. Et donc, que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on fait le tour de tous les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons ces questions. Donc, en regardant tous les systèmes globalement, que vois-tu à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et des programmations de fonctionnement qui sont associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système endocrinien, immunitaire, hormonal, glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance. Et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale. Donc, il y avait un système GPS. Regarde s'il en reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. On va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 49%. Elle était à combien avant la séance? 41. Bien. Tu la programmes pour être à 100%. Tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et des programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. À présent, on regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Alors, allons-y. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem, 1, 2, 3. C'est fait.
Toujours système neuronal, mais des ondes plus spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu pour chacun des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Système nerveux central, en vois-tu également? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. ORL visuel et respiratoire? Oui. Également. 1, 2, 3. C'est fait. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Système circulatoire, sanguin, lymphatique et énergétique. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné aussi, c'est ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des programmations. Il y a des programmations automatisées là, qui sont là, qui n'ont plus lieu d'être. Et des mémoires traumatiques aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Et le premier qu'il a évoqué, c'est son système ORL. Voilà, donc une respiration, respiration uniquement buccale, hein, depuis toujours. Voilà, donc qui crée des problèmes pour sa langue, ses dents, enfin, etc. On regarde qu'est-ce qui fait qu'il ne respire que d'une manière buccale. C'est une adaptation d'élémental du corps par rapport à la présence de cette entité méduse-là sur lui. Il venait recouvrir son visage, sa bouche, son nez, sa gorge et sa poitrine aussi. D'accord. Bon. Alors, pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires traumatiques spécifiques, des empreintes aussi traumatiques à éliminer. Avec écho et résonance, et des programmations de fonctionnement, des habitudes de fonctionnement qu'a mis en place l'élémental du corps, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, je suppose bien sûr que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retisser ce qui doit l'être. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu regardes au niveau de sa respiration. Comment est-ce que tu le vois? Maintenant, c'est fluide, léger, apaisé et régulier. Alors, est-ce que tu vois que maintenant, il respire par le nez également? Maintenant, oui. Tout s'est rééquilibré et réorganisé. D'accord. Donc, au niveau de sa langue, comment est-ce que tu vois? Tout s'est réorganisé différemment au niveau de tous les organes qui composent la sphère ORL. D'accord, ok, bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, la vision floue, perte d'acuité, regarde à quoi c'était dû, est-ce que c'est la même chose ou pas? C'est la même chose, oui, c'est le corps de cette entité-là qui est devant son système visuel. Bien, ça a été traité avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Ça a été traité avec, mais il faut faire un apport d'énergie vitale spécifique au niveau du système visuel. Alors allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc je pense que c'est sans doute la même chose, mais l'oppression thoracique et contraction musculaire au niveau cardiaque, regarde qu'est-ce qui se passe. C'est la même chose, c'est le poids et l'oppression de cette entité-là. Voilà, donc avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou vois-tu une intervention spécifique à faire?
Il y a des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance qui restent là à déloger encore. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Bon, tu as des reconnexions à faire? Oui. Donc, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Vois-tu un apport d'énergie nécessaire, spécifique? Un apport d'énergie vitale spécifique, oui. Alors, allons-y. C'est fait. Est-ce que pour toi, c'est complet? Oui. Alors, stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Voilà, trouble du sommeil, donc avec de l'anxiété, il s'endort vers 2-3 heures du matin, regarde à quoi c'était dû. C'est d'une part la présence de l'entité ressentie là comme une oppression et qui cause de l'anxiété, et d'autre part le dysfonctionnement au niveau de la glande pinéale. Bien. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer, et des habitudes de fonctionnement d'élémental du corps physique qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, donc au niveau de la pinéale, qu'est-ce que tu vois que tout est régularisé à présent? Maintenant, oui. Tu verrais des choses spécifiques à faire? Non, tout c'est réaligné, réinformé. Très bien. Alors, on va aller dans le futur. Je veux savoir maintenant comment il se voit par rapport à sa phase de sommeil. Tout est fluide, régulier. Et toutes les phases de sommeil se succèdent naturellement. Très bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation, par rapport à l'ancienne? Du soulagement, de la satisfaction de ce nouvel état d'être et du bien-être. Alors, qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement à toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il est des cernes sous les yeux permanentes? C'est le poids énergétique de cette entité-là qui venait peser sur son visage et sur ses yeux. Ok, donc maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour que tout se régularise? Il y a des mémoires traumatiques spécifiques, des empreintes aussi spécifiques sur cette zone-là à éliminer. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà. Et puis on peut y mettre une énergie spécifique pour retendre la peau, je ne sais pas, faire ce qu'il faut pour éliminer ces cernes. Oui. Un apport d'énergie spécifique. Allons-y. Restructurante. Oui. C'est bon. Tu vois autre chose à faire? Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, planise et concrétise. Oui. Voilà, donc il est sujet aux impatiences des jambes, surtout lorsqu'il dort avec quelqu'un. On regarde pourquoi. C'est l'entité qui provoque ces effets-là, puisqu'elle le veut pour elle seule. Donc la présence d'une autre énergie à côté de lui dérange l'entité. D'accord, bien. Alors maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour que tout revienne normal? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des réactions automatisées de fonctionnement d'élémental du corps physique et qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Maintenant, on va aller dans le futur pour voir comment ça se passe donc dans son lit avec sa partenaire. On s'est calme et tranquille. Qu'est-ce que ça les fait ressentir, ce nouvel état?
du soulagement et de la satisfaction de ce nouvel état d'être. Bien, il peut en prendre du plaisir. Oui. Allons-y. C'est bon. Voilà. Donc, qu'il prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, au niveau de la digestion, ballonnement, donc problème d'estomac, bloqué, etc., inflammation intestinale, qu'est-ce qui se passait? Il y avait ces parasites qui étaient là, qui provoquaient ces symptômes-là. D'accord, donc c'était que les parasites alors? Oui. Alors, pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques spécifiques à éliminer. Et des réactions automatisées d'adaptation de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Ok. Et si tu as des résidus comme des déjections ou des miasmes ou autres? Oui. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être? Oui. Apport d'énergie et vitalité? Oui. Équilibré, synchronisé? Oui. Réaligné et retissé? Oui. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y aurait besoin d'énergie spécifique pour chacune des parties, estomac, etc., intestin? Un apport d'énergie vitale spécifique, oui, de force vitale pour chacune des parties concernées. Alors, allons-y. C'est fait. Voilà. Puis on invite l'alimentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties enflammées et même douloureuses dans sa physicalité s'il y en a. Oui, c'est fait. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, autre point, intolérance au gluten. Alors, regarde qu'est-ce qui fait qu'il est intolérant au gluten. C'est toujours la présence de ces parasites-là qui provoquait cette intolérance. D'accord. Alors, moi, j'aimerais en profiter pour regarder pourquoi est-ce que beaucoup d'humains aujourd'hui sont, on va dire, sensibles au gluten, intolérants. Regarde, est-ce que c'est le même genre de situation, de parasites, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont propres au blé lui-même, par exemple? Les situations sont différentes par rapport aux humains et par rapport aux capacités d'adaptation des humains. D'une part, d'autre part, il y a une modification en général des aliments ingérés, et dont le blé en particulier, concernant le gluten. Et c'est comme si il y avait une problématique générale d'adaptation de la biologie humaine par rapport à ces modifications concernant les aliments ingérés. D'accord. Donc, ce qui veut dire, en d'autres mots, que le blé tel qu'il existait auparavant, avant qu'il soit trafiqué, qui comportait lui aussi du gluten, ne causait aucun problème pour les humains. Oui, parce que c'était naturel et non pas modifié. Ok, ce qui veut dire que si on trouve aujourd'hui des espèces de blé qui sont non trafiquées, donc là, ça ne cause pas de problème, même pour ceux qui sont aujourd'hui sensibles au gluten. Exact, sauf pour ceux dont cette sensibilité, cette intolérance a été déclenchée auparavant. Là, il y a une adaptation à faire. Mais pour les humains dont ces phénomènes d'intolérance n'ont pas été déclenchés, n'ont pas été excités et déclenchés, là, aucun problème en particulier. Très bien. Donc, en ce qui le concerne, donc Alexis, lui, c'est uniquement par rapport aux parasites ou c'est aussi de la structure du blé telle qu'elle est aujourd'hui? C'est les deux qui viennent interférer l'un sur l'autre, en fait. C'est un phénomène qui interfère sur l'autre et vice-versa. Voilà. Donc, en ce qui concerne les parasites et cette intolérance au gluten, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour que tout revienne à la normale? Il y a des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique qui sont inadéquates maintenant, des réactions inadéquates et des mémoires traumatiques aussi à éliminer. Ok. Donc là, ça concerne les parasites, mais aussi cette nouvelle structure du blé telle qu'elle est aujourd'hui? Également, oui. Ok. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui.
Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à faire qui pourrait faciliter la tolérance au gluten? Non, pour lui, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, maintenant, il a du vitiligo, notamment sur la pomme d'Adam, voilà, les doigts, le pubis. C'est arrivé au moment du refus de la vacciculation. On regarde si c'est vraiment en lien avec ça ou s'il y a d'autres causes. C'est un lien indirect dans ces moments-là. Il y a eu des baisses de fréquence au niveau émotionnel, des sortes de remous émotionnels de basse fréquence. Et sur ces remous émotionnels de basse fréquence-là, il y a l'énergie dissonante de l'entité qui est venue appuyer dans une intention de le faire taire, de le faire disparaître, d'où la dépigmentation. C'est comme un début d'invisibilité. D'accord. Donc la gorge et aussi les doigts. Et Oui. le pubis, pourquoi doigts et pubis? Est-ce qu'il y a une raison pour que ce soit localisé? Les doigts, c'est pour l'action dans le physique, et au niveau du pubis, c'est par rapport à l'énergie vitale et à la peur viscérale. D'accord. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste éliminé maintenant pour tout remettre en ordre? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer avec écho et résonance, et des programmations de résistance et d'adaptation élémentale du corps physique par rapport aux actions de l'entité, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et on va inviter son élémental à installer une programmation de repigmentation pour toutes ces parties concernées. Tu vois autre chose à faire? Non. Très bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Il a deux kystes, donc un à l'oreille droite et derrière, voilà, depuis une vingtaine d'années. Regarde déjà pourquoi à l'oreille droite, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'énergie dissonante de l'entité qui tente, enfin, qui tentait de pénétrer au travers de sa physicalité. Le côté droit était plus impacté de le côté gauche parce qu'il y avait comme une sorte de séparation au niveau de la tête et au niveau du cerveau. Comme une sorte de membrane fine, la mise en place par l'entité pour le faire baisser en fréquence. Et pour le dissocier en quelque sorte et le garder plus facilement sous sa couleur. D'accord. Il reste quelque chose de cette membrane? Non, elle a disparu. D'accord. Le deuxième lipome, donc à la taille, est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, c'est la même chose, là, avec associé en plus une réaction de défense de l'élémental du corps physique par rapport à cette intrusion des énergies de l'entité en créant de la matière, là, sur le plan physique. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, et des programmations de fonctionnement automatisé mises en place par l'élémental du corps physique en réaction par rapport à cette situation, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, en ce qui concerne le cerveau, donc avec ce qu'on avait tout à l'heure, de l'équilibre droit-gauche, tout est régularisé. Oui. Bien. Donc, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit être. Oui. Et on invite son mental maintenant à installer une programmation de dissolution de tous ces kystes, oreilles et à la taille. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Bien, donc il a sa réponse pour la droite du corps, hein, pourquoi elle est absente et fragile, pourquoi il la sent absente. Donc voilà. Donc pour toute la partie droite du corps, est-ce que ça a été traité avec ou pas? Ou tu vois une intervention spécifique? Non, ça a été fait. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages par rapport à l'argent? C'est l'énergie
bloquante et paralysante de l'entité qui vient bloquer la circulation d'énergie dans sa réalité. Bien, alors maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour que tout recircule librement? Il y a des mémoires traumatiques à éliminer avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement qui ne sont plus adaptées maintenant. Ok. Est-ce que tu vois éventuellement des liens avec la lignée? Oui, en partie, mais la cause principale, c'est l'entité. Ok. Est-ce que tu vois des liens aussi avec des vies antérieures, des liens karmiques? Mais en arrière-plan, on retrouve toujours la présence de l'entité. Ok, donc on va couper déjà tous les liens, lignés et karmiques, et éliminer tout ce qui a été évoqué sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et il installe une programmation selon laquelle que tout est possible, que tout qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir, que ce soit sur l'abondance sous toutes ses formes ou toute autre chose qu'il mérite légitimement. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Comment se sent-il à présent? Apaisé, léger, tranquillisé. Une sensation de bien-être et de plénitude. Et de plaisir aussi qui est là présente en lui. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, deuxième point, donc il a une vie solitaire. Jusqu'à 5 ans, il avait un comportement sauvage. Voilà, il a encore une peur par rapport aux humains. Bon, on a bien vu qu'il avait une vie solitaire sur cette planète. Et puis, dans ses incarnations, tu vois d'autres causes ou pas? Non, c'est la cause. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il serait nécessaire de faire pour résoudre ce problème? En couper avec ces mémoires-là. Ok. Donc, il va couper déjà avec toutes les vies qui concernent la solitude. Oui. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Mais tout est parti en fait. En coupant les liens, ça a tout coupé. Ok, il n'y a pas de mémoire, il n'y a plus rien. Non, puisque les mémoires ont été coupées. Bien, alors toujours en connexion avec la source, donc ressentant cette sécurité intérieure, cette paix profonde et cet amour qu'il est, j'aimerais que de cette perspective, il regarde donc sa vie d'humain et que tu me dises comment il se voit maintenant en relation avec les autres et le monde. Elle lui apparaît agréable et légère et comme une formidable opportunité d'expérimenter de nouvelles expériences sur ce plan-là. Bien, c'est ce que devrait être une toute vie humaine. Donc, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et il ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes les parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder dans le futur, j'aimerais que tu me dises comment tu le vois en relation avec les autres et en général dans sa vie humaine, avec toutes ses conditions. Il se sent léger. Léger et joyeux, tout est fluide et naturel. Et toute nouvelle expérience lui apparaît comme lumineuse, intéressante et joyeuse. Bien. Ça lui fait ressentir quoi alors, tout ça? Du bien-être, de la satisfaction et du plaisir. Alors aussi, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici maintenant, toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Voilà, autre point, donc peur de la chute. Voilà, il a une peur panique de la mort. Voilà. Alors, est-ce que ça est en lien avec la perte d'une sœur suite à une chute? Voilà, ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Non, ça c'est un événement placé dans sa réalité, en fait, et créé par sa peur. En remontant, on retrouve dans une vie intérieure la chute d'un berceau, une chute violente, hein. De ces berceaux-là anciens qui se balancent avec la chute du berceau. D'accord. On est dans quelle ville là? Et à quelle époque? Quel endroit? Fin du Moyen Âge, France. Et la zone géographique, c'est sud, région parisienne. Et donc, quelle a été la conséquence de cette chute pour lui, hein? Désincarnation précoce. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il reste ce traumatisme. Oui. Bien. Il y a d'autres vies où il y a eu ce genre de situation liée donc à la porte de la chute. Oui, des sensations de vertige liées en altitude à la montagne. D'accord. Est-ce que il y a une la première cause, la première événement qui a été le déclencheur de tout ça. Tu vas y aller voir, tu me dis où ça t'amène. 1, 2, 3. Ce sont des ricochets de situation qu'il faut remonter jusqu'à la première. La première, c'est la chute dans l'incarnation, dans la première incarnation humaine. Voilà, c'est là qu'a eu lieu, donc en fait, le premier traumatisme. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que par voie de loi d'attraction, après, il a vécu d'autres situations par rapport à ce traumatisme? Oui. Elles sont là comme des conséquences qui viennent se mettre en place par ricochet. Bien. Donc, tu vas te présenter à lui juste avant cette première incarnation. Oui. Donc, avant ces traumatismes, bien sûr. Tu lui donnes les informations de ce qui va survenir et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Bien sûr, les événements ne changeront pas. Ce qui changera, bien sûr, c'est sa perception, sa qualité de regard, son ressenti. Donc, pour cela, on va lui donner un coup de pouce. On va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Et une montée en fréquence haute, puissante, qui vient le stabiliser, le sécuriser. Voilà. Maintenant pleinement en conscience et en connexion à toutes ses parties, il va passer tous ces événements jusqu'à la première incarnation. J'aimerais que tu me dises comment ça se passe pour lui. C'est léger, agréable, comme s'il glissait tranquillement et joyeusement dans l'incarnation. Et il expérimente cette incarnation en toute légèreté et plaisir. Bien, donc là on est dans cette incarnation. Et pour lui, tout est bien. Oui. Alors, quel point est-il temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui. tout en restant pleinement connecté à toutes ses parties. Et il va passer par chacune des vies vécues, donc sur Terre et en inter-incarnation. Chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer jusqu'à ici et maintenant. Oui. Voilà. Comment vois-tu Alexis à présent? Apaisé et tranquillisé. Il y a une paix intérieure qui est là présente en lui maintenant et qui lui permet d'aborder son incarnation présente et toutes les situations qui s'y rapportent avec légèreté, joie et plaisir. Alors, qui est le temps là aussi de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et le téléchargeant toutes ses parties, déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder le futur, regarde comment tu le vois en relation avec l'avion ou sur un manège. C'est stable, fluide et tranquille. Il n'y a aucune appréhension, aucune peur. Simplement la joie et le plaisir ressenti d'être là.
Bien, là aussi, prends le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et ramène ici et maintenant, téléchargement de toutes ces parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, prenez et concrétise. Voilà, donc en 2001, il y a eu cette explosion, l'usine AZF. Il était donc à 900 mètres. Il en a eu un traumatisme. Voilà. Et depuis, donc avec une peur, dans certains silences, une perte d'audition de son oreille droite à 3%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà? J'aimerais bien que tu regardes cette explosion de cette usine AZF. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques ou pas de cette explosion? Oui, en arrière-plan, il y a tentative de... Enfin, il y a plus exactement volonté de destruction d'une structure humaine qui ne correspond pas. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait eu divergence d'opinion entre les intentions humaines et les intentions présentes en arrière-plan. Mais de quelles intentions tu parles alors en arrière-plan, s'il s'agit-il? Il avait voulu prendre, on va dire, son indépendance par rapport à une technologie donnée, ce qui n'était pas désiré par les consciences la présentes en arrière-plan non humaines. C'était qui ces consciences? C'est des consciences qui sont hybrides. Elles sont hybrides, grand gris et reptiloïdes. D'accord. Tu veux dire que ce qui se passait à l'usine AZF, il y avait technologies qui n'arrangeaient pas ces entités? Il y avait des désirs d'indépendance de la part d'ingénieurs humains. Ah! D'accord. Leurs pensées ont été piratées, interférées, et ce qui a conduit à des erreurs et à des dysfonctionnements. D'accord, qui donc après a provoqué ces explosions sous plan physique. Mmh. Bien. Alors, si on en revient donc à Alexis, donc ce fameux traumatisme, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois qu'il en reste? Il en reste comme une sorte de point là, une sorte de point noir, une sorte d'accroche, de crochet traumatique, une sorte d'empreinte qui est là à éliminer et qui a ses échos et ses résonances. Bien, alors on va tout éliminer sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et on va reconnecter, réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà, un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà. Et toujours en conscience de sa connexion avec la source, avec sa paix profonde, cette sécurité intérieure. J'aimerais que tu me dises, de cette perspective, comment est-ce qu'il voit cet événement? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, avec ses nouvelles compréhensions? C'est calme et lisse, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas emporté ni embarqué dans le choc et dans le traumatisme. Il reste là, neutre, et comme à distance. Ça glisse sur lui. Très bien. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, ce nouvel état, ce nouveau regard, ces compréhensions? De la satisfaction de ce nouvel état d'être, un état de calme et de plénitude intérieure. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et le ramener maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement déjà précité jusqu'au sens supérieur. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Au niveau de son oreille, la perte de ses 3% d'audition, est-ce que tu vois que l'intervention qu'on a eue a réglé le problème ou est-ce que tu vois une intervention spécifique? L'oreille droite. Un apport d'énergie vitale et d'équilibre à compléter, à rajouter là sur la zone concernée. Alors allons-y. C'est fait. Voilà. Donc stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc il a rencontré une personne à 25 ans, un gitan qu'il voyait très sombre, très noir, qui a fait des prédictions. Voilà. Et qui l'obsède aujourd'hui encore. Voilà, donc regarde qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit qu'il aurait des amours compliqués jusqu'à la fin de sa vie où là, il y aura l'amour idéal pour lui.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'il ait ces ressentis-là et... Tentative de manipulation en arrière-plan par les entités démoniaques, opportunistes, hein, pour tenter de faire baisser ses fréquences jusqu'à leur fréquence à elle, à ses entités, pour qu'elle puisse l'aspirer, aspirer son énergie. Cette personne-là a été utilisée comme un canal sur le plan physique humain en 3D pour faire passer cette intention-là. C'est comme un poison qui s'est infiltré au travers de ce canal-là, de ce médium-là, jusqu'à lui, pour venir se passer là autour de lui, comme une sorte de voile noire. Mmh. Est-ce que c'est elles qui ont provoqué la synchronicité pour cette rencontre ? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste ici aujourd'hui de ce poison ? Il en reste la trace, la mémoire traumatique, l'empreinte traumatique aussi, et puis la trace énergétique autour de lui. Alors, on élimine ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours en connexion avec la source, en ressentant sa véritable nature, cet amour qu'il est dans sa complétude, dans sa paix profonde et une sécurité intérieure. Comment le vois-tu à présent de cette perspective ? De cette perspective-là, qu'est-ce qu'il en comprend finalement et qu'est-ce qu'il en ressent ? Il en comprend la tentative de manipulation et de mise sous contrôle, hein. Mais il n'en est plus impacté ni affecté. Il est bien au-dessus d'un point de vue fréquentiel, hein. Il le regarde avec neutralité et sans être touché. Bien. Qu'est-ce que vous allez faire ressentir maintenant cette nouvelle situation avec ces compréhensions ? De la satisfaction de ce nouvel état d'être, de la légèreté, du bien-être. Voilà. Comment il se voit en compagnie de sa compagne ? Bien, c'est fluide, léger, sincère, naturel. Ça lui apporte du plaisir, de la satisfaction, de la joie aussi. Alors, il est temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il télécharge dans toutes ses parties déjà prénommées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Alors maintenant, c'est cet événement dans l'Aude à Bougarache où il était à côté d'une chamane et il a été poussé à s'arrêter à un moment donné. Et là, il a découvert deux pylônes de pierre, voilà, où il a pris des photos. Et ensuite, il a eu une sensation d'avoir fait une erreur. Et le soir, dans son lit, il se sentait encore là-bas. Donc près où il y a une présence féminine qu'il a ressentie non bienveillante, voilà, blanchâtre. On regarde en fait qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi cette présence et son ressenti était de quelle nature ? La présence féminine, c'est l'énergie du lieu qui a lancé sur lui des intentions de rejet dans l'objectif de défendre le lieu. D'accord. Et c'est le lui-même, tu veux dire quoi ? C'est des... Il n'y a pas de présence d'entité ? Il y a une porte interdimensionnelle au niveau de ce lieu-là. Et cette entité-là est la gardienne du lieu et des portes de cette porte-là. D'accord. Les humains n'y sont pas les bienvenus. Et qu'est-ce qu'on y voit derrière cette porte dimensionnelle ? Alors, si un humain l'a franchi, qu'est-ce qu'il y voit là ? Qu'est-ce qu'il y trouve ? Qu'est-ce qu'elle protège exactement ? Il ne la franchit pas, il est bloqué. Je n'ai pas compris. Il ne la franchit pas, il reste, s'il tente de le faire quand même, il reste bloqué dans une sorte d'entre-deux inconfortable qui vient le couper de la 3D, mais sans le laisser entrer dans la 4D non plus. Il reste bloqué dans le sas. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle protège, alors, cette gardienne-là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'autre dimension, c'est la quatrième dimension dans laquelle les consciences humaines ne sont pas les bienvenues. Mmh. Il y a des êtres de la nature qui sont là, derrière, et d'autres entités dites entités intermédiaires qui sont présentes dans ce lieu-là. Ça contribue à l'équilibre entre les dimensions. D'accord. Donc là, c'est plutôt des présences positives. C'est ni positif ni négatif, il y a les deux types de présence. Les deux polarités sont là présentes, positif et négatif, dans l'objectif d'équilibre. Ok, donc cette gardienne, ni positive ni négative, elle défendait en fait ce portail, c'est ça ?
Exact. Elle le protège. D'accord. Très bien. Ben voilà, maintenant il a ses réponses. Donc, bien, on va regarder son corps mental. Et j'aimerais que tu me regrettes, que tu me dises toutes les programmations limitantes qui étaient existantes, avec les croyances limitantes, évidemment, qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui se sont installées là au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, qui viennent s'accrocher, se crocheter les unes aux autres et qui deviennent de plus en plus lourdes, pesantes et limitantes. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Maintenant qu'il est connecté directement à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de la nature de ses programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Il s'aperçoit que lui, maintenant, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il de tout ça à dégager? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sous des plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec cette ancienne situation. Il y a un état d'être de souffrance émotionnelle permanent qui fait baisser en fréquence. Une anxiété, une tristesse aussi qui sont là avec cette sensation d'être décalé, seul et incompris. Ça vient créer une sensation de vulnérabilité aussi, de mal-être. Ça vient créer aussi des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations. Et une culpabilité aussi pour ne pas arriver à garder ses fréquences hautes dans toutes ces émotions ressenties. Tous ces éléments-là viennent créer une image de lui qui ne lui correspond pas et dans laquelle il ne se reconnaît pas. Il se sent en décalage. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien. Alors, donc, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a l'injustice ressentie de ces conditions d'incarnation-là, jugées trop étroites, lourdes et limitées. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Puis aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à rester fluide et léger dans cette expérience d'incarnation et de ne pas arriver à en ressentir du plaisir comme il le voudrait, comme cela devrait. Pour pouvoir fonctionner quand même dans l'incarnation, il a mis en place un système de fonctionnement où il est toujours en autodéfense et en retrait par rapport à lui-même, par rapport aux situations et par rapport aux autres consciences. C'est comme une sorte de, on va dire, de mur de défense permanent qu'il a placé tout autour de lui. Ça vient étouffer, en quelque sorte. Ça vient étouffer les pics de souffrance, tout comme un mur anti-bruit étouffe les bruits. Donc, il y a une sorte de bien-être immédiat ressenti, mais à plus long terme. Et de façon plus profonde, cela vient couper ses connexions avec ses intuitions et avec ses parties supérieures. Et c'est la seule façon qui a pu fonctionner sans trop souffrir. Alors, Emmanuel, il y a une variation de son, on entend parfois ta voix s'effacer. J'aimerais que tu regardes s'il y a une cause extérieure, regarde ce qui se passe au niveau du micro, de l'ordinateur. S'il y a une cause extérieure à ça, parce que ça rend parfois inaudible ce que tu dis. C'est cette sorte de coussin d'écrit qui vient se placer là physiquement au niveau du micro. D'accord, ok. Et qui est-ce qui l'envoie ce coussin?
Il vient se placer naturellement là par résonance. Ok, alors tu ouvres un portail et on les vire. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. Il est parti. Ah, tu l'auras fermé, tu l'effaces. Oui. Voilà, donc tu peux continuer. C'est tout. C'est tout. Bien, alors je rappelle qu'il s'agirait bien sûr de lancer une ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Et donc, qu'est-ce qui reste de tout ça à éliminer ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et au passage, effectivement, le son est revenu normalement. Donc, en ce qui concerne la personnalité, maintenant, tu as toutes tes informations hein, pour créer les changements nécessaires, de nouvelles habitudes, te sentir plus à l'aise dans tous les aspects de ta vie. Hein. Voilà. Et tout ça en douceur, évidemment, en t'accordant le temps nécessaire. Et toujours en connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Alexis à présent ? Léger, apaisé, centré et équilibré. Il se sent en sécurité sur sa base intérieure, stable, tranquille. Ça lui permet d'apprécier l'instant présent, de s'y sentir bien et de se déployer tranquillement et avec plaisir dans l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Voilà. Et donc, il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est donc installé dorénavant en permanence. Oui. Et il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise, prénise et concrétise. Oui. Et je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation. Comment il le vit donc avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterai donc pleinement le ressentir. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressentir, justement, au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui, en termes de possibilités, de potentialités, et de cette existence en tant qu'humain, en tant qu'Alexis. Il y a de la curiosité, il y a de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. Il a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Voilà, c'est ce que devrait être toute vie humaine. Qu'il prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Voilà, et il le rajoute à sa programmation. Oui. Et il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et il se sent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu Alexis à présent ? Léger. Il y a une pétillance qui est là présente, au fond de lui et qui s'expanse.
Il y a ce ressenti d'être là, stable, fort et puissant, et en même temps léger, avec cette force tranquille-là à l'intérieur de lui, qui lui permet de se poser dans l'existence, dans l'incarnation, avec stabilité, joie, plaisir, et de trouver du plaisir à être là dans l'incarnation. Bien, ça va lui changer la vie. Bon, on va passer maintenant aux invitations. Allez, il a nommé bien sûr sa compagne avec sa famille, ses deux sœurs et son frère avec leur famille respective, ses parents, la famille en général, les amis de cœur, les connaissances, les relations, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont invités pour la douche finale. Oui. Voilà. Donc, il propose à tout le monde le travail qu'il est en train de faire, leur montre bien sûr, et leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Donc, on ouvre un grand portail dimensionnel. Avant cela, d'abord, chacun va couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous leur avons accordé. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. Oui. Et là, maintenant, tu ouvres un portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. C'est fait. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Alexis pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors, nous allons passer au désincarné. Il a nommé sa grande sœur qui est partie en 2002. J'aimerais que tu me dises donc, sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une sorte d'entre-deux, avec une sorte de plafond de verre au-dessus et en dessous d'elle. Donc, elle se déplace en quelque sorte à l'horizontale dans cette zone-là, mais sans parvenir à dépasser cette zone. Elle est dans quel état d'esprit, là? Sensation d'enfermement et de blocage. Bien. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence, haute, puissante et soudaine. Ça vient la dégager de ce lieu-là, presque l'en expulser. Elle est au-dessus maintenant. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Alexis et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers Alexis. Mais se dégage d'elle une onde d'amour puissante, universelle, légère, qu'elle déploie auprès de toutes les consciences qu'elle a connues là sur le plan 3D et les autres plans traversés.
Qu'est-ce qu'elle peut dire à Alexis sur la condition de sa désincarnation et qu'est-ce qu'elle y comprend elle-même? Une sorte d'intrication, d'émotion, de sentiment entre sa conscience à elle et les autres consciences croisées là durant l'incarnation. Comme si toutes ces consciences-là étaient bloquées dans une sorte de filet. Donc c'est comme si sa conscience était expulsée brutalement de cette sorte de filet-là, mais pour se retrouver bloquée dans un autre type de filet. Qu'est-ce qu'il a expulsé exactement? Je n'ai pas compris. Sa volonté. Ah, d'accord. En voyant les conditions humaines, du coup, elle choisit de s'en retirer, c'est ça? Oui, en arrière-plan, oui. D'accord. Donc c'était un choix de ses parties supérieures, du soi supérieur? C'est ça. Très bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux demander avant de remonter la source si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle d'Alexis des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle? Oui. Alors, allons-y. C'est fait. À présent, on va la remercier et la saluer. Elle est partie. Sortie de la fausse matrice? Oui. Ok. Alors maintenant, ça va être le tour de l'oncle maternel. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est là, dans le moyen astral. Un peu... C'est comme s'il était un peu perdu, dans une sorte d'errance et sans direction déterminée. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors, on connecte lui aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence, haute, soudaine, puissante. Ça vient le dégager de cette zone-là, ça vient l'équilibrer et le recentrer. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors, du coup, pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Alexis et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il exprime du remerciement et de la reconnaissance. Et il envoie une onde d'amour universel auprès de toutes les consciences qu'il a croisées sur les différents plans traversés, y compris le plan 3D. Et il remonte. Eh bien, nous le saluons. Il est parti. On revient à Alexis? Oui. Alors, regarde s'il a des liens toxiques. Oui. Donc, il va tout couper, liens toxiques sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3, en une seule fois. Oui. Regarde si l'aventure t'envoie encore en arrière-plan. Non. Bien, il va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INC partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver tout ce qui est à l'extérieur de son corps, de tous ses corps. Donc, que ce soit du sang dans le corps d'entre personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les 8, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas regarder avec l'élimination des codes matriciels limitants s'il resterait quelque chose à éliminer. Non, il n'y a plus rien. Alors, de son espace moronciel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur flore de vie, graine de vie et double de muscat activé.
Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace mouronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation du flore de vie, crâne de vie et double muscate activé. Oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, et en insistant sur les parties donc vitiligo. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés et 6 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ce sont des déploiements de nouvelles potentialités, d'expression dans l'incarnation, de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations intérieures de libération, de bien-être et de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes et décisions post-séance? Oui, par vague, il y a des descentes en basse fréquence avec des retours d'anxiété, de mal-être, de sensation d'être décalé, mis de côté, incompris. Mais ça ne dure pas. Ça vient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Et dans ces phases-là, c'est le mental égo qui, pour se rassurer, se stabiliser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira, Alexis, bien sûr, de bien comprendre ce processus, voire de réécouter ce qui vient d'être dit. Dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et je rappelle une fois de plus, si c'est nécessaire, que je proscris fortement de faire des séances énergétique et quantique durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas donc désinstaller, détricoter ce qu'on a réalisé. Et pour soutenir toutes les parties d'Alexis, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Il se sent bien, léger, joyeux, empli d'énergie vitale, directement connecté à sa propre puissance intérieure. Il se sent centré, équilibré, heureux et joyeux d'être là dans l'incarnation.
Bien, tu vois l'intérêt d'observer une recommandation. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Il le ramène ici maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références, de nouveaux repères, et même des habitudes qu'il peut programmer et installer et même ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, on va regarder son domicile. Alors, donc, comme il a deux espaces de vie, on va travailler sur celui dans lequel il est ici et maintenant. Et pendant ce temps, on invite sa partie subliminale à faire le travail dans l'autre domicile. Oui. Voilà. Donc là où il est ici et maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a comme des sortes de vagues, de courants dissonants qui passent dans le lieu. Ça vient d'où ? C'est directement relié à lui, à sa propre situation énergétique antérieure. Bien, maintenant regardez ce sol, du moins si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Pas qui viennent l'impacter. Très bien. Regarde l'autre domicile, juste pour voir les sous-sols, si tu vois des désordres géologiques, ésotériques, etc. Non. Non, très bien. Donc, sa partie subliminale fait la même chose, donc, qu'on va faire maintenant. Donc, il va faire une puissante tornade et il va nettoyer, voilà, de fond en comble, les murs, la mémoire des murs, les objets, les meubles, cave, grenier, garage, s'il y en a, enfin, partout où il sait que c'est nécessaire. Oui. Et il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et d'oublis qu'à t'activer et sécuriser. Oui. Sur les contours qui sont des Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Voilà. Par-dessus, il installe un gros aimant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleurs de vie, graines de vie et d'oublis qu'à t'activer et sécuriser. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, agréable, avec un son et un parfum qui se module et en sécurise. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle cristalline de protection, lui également, et les autres occupants, bien sûr, s'il le désire. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, tu vas installer une programmation donc, de protection des différents états de conscience et tu les sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie, dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double biscuit activé. Oui. Et autour son corps du mental en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, il installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, il le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est bon. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait.
Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Alors oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion par l'entière confiance en ses capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Voilà, donc il suffira ici de se souvenir de ce qui a été dit et bien sûr de le mettre en pratique. Et bien sûr, ça c'est la clé pour tout le monde. Hein. Comment est-ce que tu vois son âme à présent? Elle est remontée en fréquence, elle s'est réalignée avec les énergies de la partie physique. Elle est là, claire, libre et légère. Et la partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique, réalignée avec elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Alexis, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités. Et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, l'installe flore de vie, graine de vie et d'oblisque attaque activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence de Alexis avant la séance et quelle était la présente? 57 et maintenant 182. Bien, alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ça va Emmanuel? Oui. Bon, à toi Alexis, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Un grand merci. Un grand merci à tous les deux. Il y a énormément de choses qui ont fait sens pour moi et qui me parlaient beaucoup. Là, je me sens un peu dans un état second, mais ouais, ça me parle énormément. Ouais. Je ne sais pas trop comment développer. Mais... C'est pas grave, pas plus, c'est suffisant. Et tu as senti des choses quand même pendant le travail? Oui, j'ai senti, enfin, au niveau du corps, je sentais vraiment que ça, des moments où ça vibrait à l'intérieur, en fait. Ce n'est pas des tremblements, je sentais que ça vibrait. Ouais, c'est assez étrange. Sinon, je sens que ça brasse beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il s'y passe des choses. Voilà. Clairement. Ouais. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'informations, que tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Hein. Ouais. Et surtout dans ces moments de métabolisation, hein, n'oublie pas de refaire ta séance de temps en temps quand, si tu as l'impression que tu t'es un peu dévié. Hein. Voilà, un choc émotionnel, un événement particulier. Hop, tu refais ta séance du début jusqu'à la fin, tout en te souvenant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. Tu es parfaitement libre. Que tu puisses le faire avec une tranquillité d'esprit, dans une sécurité intérieure. Hein? Oui, ok. Voilà, voilà donc j'espère que tu me donneras des nouvelles. Merci à Emmanuel et merci à toi. Hein? Un grand merci à tous les deux. Merci Emmanuel. Merci Pascal. Voilà, et donc j'attends tes nouvelles par mail, de me dire comment les choses se passent, si tu veux et quand tu veux, bien sûr. Avec plaisir, ouais. Voilà, donc la séance, je peux la publier en clair? Oui, 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 aucun problème. Magnifique, merci à toi, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Ouais. Voilà. Merci. Et à très bientôt merci. Pour tes nouvelles. Ça marche, merci, au revoir. Ok, au revoir.